dans cette nouvelle vidéo sur Monster Hunter World on est à l'Australia Simulator. Dark Souls like tout ça et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo concernant une mission qui s'appelle une tâche colossale. Alors je pourrais faire des tas de références à des films de porn et tout, mais on va éviter, on va tout simplement se lancer dans la mission. Je suis aujourd'hui avec mon petit Malino. Oui, coucou. Enfin aujourd'hui comme d'habitude quoi. On est quasiment, je crois que ce mec c'est ma femme en fait, et je suis sa femme aussi, on est tout le temps ensemble. Tout le temps, quasiment tous les jours, ouais. C'est ça, quasi all day quoi. Bon bah sur ce, on va pouvoir se préparer, accepter la mission. Hein. Alors d'avance, étant donné que je suis un tout nouveau débutant sur la Volto H, qui est l'arme qui se tient dans mon dos là, qui est une arme assez complexe d'utilisation. Si je reçois 45 messages disant oui mais la Volto H, je voudrais faire comme ça, j'arrête la chaîne tout de suite. Tu vois. Non mais c'est juste que ayez pas trop de condescendance et ayez un peu pitié. Vous pouvez toujours évidemment bien entendu lancer des appels au secours, faire des dons, envoyer le SAMU, tout ça. Mais sachez que je suis débutant, c'est dans la matière en tout cas. Donc là, nous... Il a à peine 24 balles. C'est ça. Et t'as un fameux 3, ma fin comme un... Et ça va tenir, c'est des barricades. Très bien. C'est moche, bon. Ça va jamais tenir ce truc. Voilà, qu'est-ce qui se passe ici? Oui, j'avoue que quand tu voles pour moi, tu fais ça pue, je monterai pas dessus. Hein. C'est ça quoi. Il passera d'ici un moment à l'autre. On envoie Jean-Michel au platine, Jean-Jacques à la compta, et ça va passer tout seul. Si on le laisse filer, il nous échappera définitivement. Il doit passer d'un moment à l'autre. Mais il est déjà passé puisqu'il y a des feux. Bon, peut-être qu'en avançant, déjà il ramène l'artillerie lourde. Ah, parce qu'au départ, vous avez pas l'artillerie lourde pour l'emmerder. Donc en fait, au début, c'était un try, c'était un essai. Oh, le vaisseau s'ouvre. Ouais. Sérieusement? Je sais que ça peut pas fonctionner avec un... Ah ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les Dragonator. Voici okay. Le Dragonator. Nous l'utiliserons pour... Il y a de la place pour ça dedans? Ouais, c'est et pas que ça. Moi aussi je me pose d'autres questions. Genre, est-ce que vous êtes sûr qu'un navire comme ça peut avancer avec un truc pareil? Vous devez donc... Normalement une coque c'est censé être vide justement pour l'oxygène. Ça, je pense, non? C'est bien compris. Bon, pas... Forcément, je dirais, mais oui, faudra un minimum. Autre chose. Ouais, enfin, un minimum de trucs, quoi, ça a l'air très lourd, quoi. Attendez-vous à ce ouais. Que le nerf gigante soit encore de la partie. Le nerf gigante, et si il y a là. Arrêtez-le à tout prix. Ouais, c'est sûr. Sérieux? Non. Je compte sur vous. Pars en éclaireur. Ça veut dire quoi? Parce que si on fait de la merde, c'est de notre faute? Ouais, c'est un peu ça, hein. C'est, je me décharge de toute responsabilité et je vous envoie dans la merde. T'as le mec qui joue avec l'arme que je déteste le plus au monde dans ce jeu, le Katan. Bah, je comprends pas trop le principe, vraiment. Genre, pourtant, c'est une arme que je suis sûr que je pourrais aimer, mais. Gardez votre sang-froid! Les gars, investissez 45 Dragonator. Le Zoramac d'Oros, il est 15 fois plus grand que votre navire. Qu'est-ce qu'il y a? Sérieux? Ce que je dois faire? Bah, elle est où? Ah oui, bonjour. Alors on doit faire quoi là? Je sais pas. On sent mal. Oui. Je non, bien, non, mais... non, je crois qu'il nous fait descendre, t'inquiète. Attention à ces barnos. Voilà, il l'a fait tout seul. Ok, Zoramac d'Aros. Vous pouvez utiliser la fusée de détresse. Ah, ok. Ah, cœur de magma. Ah, bah allez, ce vieux cœur de magma de merde, ce jeu, dit. L'action de l'environnement par rapport... La capacité du personnage à être rapide ou à faire des actions est parfaitement ridicule. Moi j'aimerais bien savoir où j'ai mon bœuf rouge dessus. Il y a une tête là-dessus ou quoi? Ouais, c'est bon. Hop. Parce que, protéger. Allez, attaque de magma! Vas-y, fous la merde! Ah, si on se met à cet endroit-là, on ramasse pas de dégâts! Bon, bah, fallait le tuer en plus. Voilà.
Muda. Muda, 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 Muda. Ok. Voilà, on enchaîne. On enchaîne. Allez, hop, 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 hop. Aïe, 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 je vais me prendre un feu, je vais me prendre un feu. Non, je ne peux pas de feu, pas de feu, pas de feu. Ça va. On recharge l'épée. Et boum. On enchaîne directement avec le grosse attaque. Ok, un cœur de magma destroy. Cœur de magma suivant. Le flux de magma change. Mais Jamie, comment ça se fait? Bah écoute, c'est normal, voyons. Tout se passe absolument logiquement. Des trucs de stalactites. La cœur de magma, c'est ça, tu le prends dans la tronche. Ouais. Ouais, bah en fait, c'est parce qu'il faut se mettre à un endroit précis. Oui, j'ai vu, il y a un endroit qui ne pète pas, faut juste le chercher sur la corne qui déplace. C'est ça. Alors, fragment du Zora Magdaros, je prends. Et Kaikel au refuge du Zora Magdaros. Ouais, bien. Bien, 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 bien. Bien, ma gueule, je me dis, c'est par là, c'est par là. Ok. Alors, quel endroit ici ça ne pourrait ne pas péter? Ça va péter d'office. Pas à quel endroit je pourrais même pas prendre un coup, mais enfin bon. En plus, c'est quoi? Je prends quand même mes consos, moi. Pas sûr, quand même. Génial! Parfait! Parfait, parfait. Bon, plus qu'à chercher un autre cœur. Là, par contre, je vais me prendre un flux de magma dans la tronche, non? Oui, non, non, oui, 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 hein. Oui, hein. Là, on a... Ouf! Ça bouge, hein. Ok, on recule, on recule, on recule. On recharge le bouclier parce que ça descend. Mais... Ah! Voilà, merci. Ça fait jusqu'au bout. Non, on peut pas passer. Est-ce que... Mais... Ah oui, mais j'ai pas chargé mes fioles, évidemment. Et là, je me prends le cœur de magma dans la tronche. Parce que ma bite. Parce que ok, ma bite, je vois pas trop où faut aller là. On va remonter. Ah, ici. Ça veut dire. Ouais, c'est bon. Les harpons, et nous on voit rien du tout. On voit rien, on n'a pas le droit à tout ça, nous. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, mesdames et messieurs. Oh là là. Oh, j'arrête pas de mettre des dégâts de flamme dans la gueule. Et ça va céder, ça va céder. Ça cède pas, hein. Ça ne cède pas. That didn't work. That doesn't... Mais je croyais qu'il y avait un endroit où j'étais pas censé me le ramasser. Putain de fils de pute, je comprends pas. Alors, les règles du jeu changent au fur et à mesure. Nique-toi. Ah bah ça va, comme ça je sais, tu vois. Allez hop, on se rouille le perchoir. Ah mais moi ça pue vite, merci. Ils vont me faire crever eux. Ah ouais, non mais il y a quelques moments qui sont bien relous, mon pote. Surtout déjà cette histoire avec Oui, l'énergie Gigante passe à l'attaque. Ok. Ah évidemment. J'adore comment il dit ça. Évidemment. Hein? Vous devez neutraliser l'énergie Ganté, mais oui. Mais oui. Mais oui. J'ai que ça à foutre, mesdames et messieurs. Je croyais que j'avais un. Oula. Hop. Ah putain, je voulais essayer le point block, le garde block, mais ça n'a pas fonctionné. Sers-toi des stalactites, piégé. C'est bon, stalactites. Un cœur de magma pété. Alors quand je dis garde point, c'est parce qu'il y a des petits moments comme ça dans certains combos où on peut commencer à faire un garde point, mais le problème c'est que je ne maîtrise pas... Vous sur quoi? Sur l'énergie Gigante ou péter les... On sait que Pouic. Ah moi je sais pas, hein, il m'a jamais parlé de défoncer l'énergie Gigante dans le jeu, hein. Moi je suis là pour le Zora Magdaros, hein, excusez-moi, mais... L'énergie Gigante, c'est pas trop mon problème, quoi. Peu importe, chasseurs, restez concentrés. Il faut repousser le nerf gigante. J'ai des trucs dans la tronche. Non.
J'adore, ah, comment, j'adore comment les mobs nous expliquent le combat. Ouais, il se passe ça, ça. Et toi, t'es là, t'es sur son rodeau, t'essaies de faire ce que tu peux, tu vois. Oh là là, mon dieu, Gandalf tombe à la. Bah, c'est toujours rien du tout. Ah, mais j'en ai marre de ces flammes là du Black Burn. Ouais, hein, c'est relou. Ouais, mais. C'est casse-couille, quoi. Et monte, 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 Germaine. Ah, ça se prend, ça. Hein? Des pouces de dos de trucs, ça doit avoir de la valeur. Ah, ouais, il est comme ça. Ok, ça va, attends. Ah, ok, les deux bouts. Là, encore plus haut. Ok. Moins de montée là. Là, il y a moins de montée ici. Comment on fait pour aller au Nerf? Parce que je sais pas, ça me dit qu'il est là. À moins qu'on puisse monter ici. Débarrassez-nous du nerf gigant. Pas que ça a foutre, mon pote. Non, il est au-dessus, il est au-dessus. Donc, comment on y va? C'est un mystère. Aïe, 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 où il est là? Ouh. Ok, voilà, tout ça. C'est très intéressant. Ok, ça part. Ah, c'est son cœur de magma, c'est sa corne de merde. Ok, mais non. On va tout mettre. Non, 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 tu fais. Ok, y'a pas moyen de tomber. Faut me rassurer. Mouna, 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 mouna. 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 Allez, c'est parti, on enchaîne. Ah non, c'était raté. Ok, moi je m'approche du nerf giganté Isbar. Ok. Tant mieux. Ouais. Tu préfères qu'il vienne te faire un coucou? Non, what the fuck, pourquoi je suis tombé? Pourquoi je suis tombé? Ok. Ah, c'est parce qu'il s'est remis assis ou debout ou moitié couché ou je ne sais quoi. Bon, attends. Remonter à sa corne principale, enfin à sa corne de devant là. Oui, oui, oui. Allez, je suis retombé. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Comme cette arène, cette espèce de gros truc qui change complètement de... d'endroit, c'est assez, c'est assez fou quoi. C'est cœur, me dis pas que c'est cœur au pop. Non, non, je pense pas. Franchement, je pense. C'est pas du tout. Alors, où est-ce que maintenant on pourrait être son cœur, vu qu'il faut que je rechoppe sa vieille gueule de merde? Ça a l'air d'être par en haut là-bas. Alors, si je suis la logique de l'autre fois, ça devrait être ici. Hein? Grosse bestiole! On chauffe du minerai, hein. Des bouts de cuirasse de Zora Magdaros, on dit pas non. Pour faire. Ouh là là, what the fuck! C'est quoi ça? Mais ça, je le sens mal. Pourquoi ici? Je le sens très mal. Ah, ça va. Ça va, ça va. Si je fais attention. Ah, c'est parce qu'en fait, quand il se met couché, le cœur n'est pas la même chose que le restant de... Ouais, je piche que dalle. C'est bon, on stoppe l'attaque. Allez hop, on met. On se remet dans son bouclier. On enchaîne. On charge son épée. Merde, j'ai raté. Hop hop, vite fait le pari. Ouais, oh putain, le pari au bon moment. Ouh, le pari. J'ai l'impression que... Ouais, je change de position non. Ah non. Allez, bon, voilà. On enchaîne. Aïe, aïe, aïe. S'il franchit le barrage, ouais, d'espoir en vent rapide vient Drake Kelly. Mais non. Ouais. Déplacement rapide vient Drake Kelly. Ok. Ah. Ouais. Okay. Ah, donc je... ah, c'était Win alors, je pense. C'est. Mais gros, ouais, ouais. Tu as plus affaiblir ses cœurs? Apparemment, bon. Non. Ouais, non. Le troisième, non, tu, j'ai pas pu l'affaiblir. Bah, Dragonator, les canons sont sur le bateau. Oui, bah, écoute. Je peux savoir où se trouve mon Loki. Ah putain, il met des boulets de canon de l'autre côté.
Génial. Génial, génial, génial. Il n'est pas encore à portée le truc. Feu. Boum, 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 boum. Feu. Raté. Mauvais endroit. C'est con ça, c'est con, c'est con. Vas-y Loki, vas-y Loki, vas-y, vas-y. Mets des boulets de canon, mets des boulets de canon le chat. Qu'on va rentrer, mignon, comment il porte ça. Allez vas-y le chat, le chat, le chat, boulet de canon, boulet de canon, boulet de canon. Feu. Oui mais... God. Est-ce que je peux vite fait viser sa tête comme ça ici là, c'est bon, ouais. Regardez-moi cette bestiole. Et le truc est sur le Dragonator, il y en a un le Dragonator. Ah oui, tu peux frapper dans le... J'imagine dans le dos. Est-ce que j'aimerais bien que le chat puisse continuer à faire 2-3 choses. Ah oui, je peux tirer ici. Ouais. Feu. Non, 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 non. Aïe, 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 aïe. Comment est-ce qu'on demande de faire le... Argonator ? L'interrupteur est sur la proue du navire. Oh oui ! Il y a des tas de trucs pour tirer ici. Montre-moi ce que tu veux. Sur le bateau ? Sur le... Ouais, sur le bateau, il y a des tas de mecs qui ont préparé leur canon. Feu ! Un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Feu ! Comme ça, ouais. Feu. 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 La proue du navire. Alors la proue, la proue, la proue. Ouais, c'est ici. Voilà. Allez hop, Dragonator. Youp. Ça va faire mal, ça. Ah ouais. Ok. Quand même. Quand même, ouais, y a bien moyen de le faire mal à ce genre de conneries. Allez, continue à tirer. Continuez, voilà. Tirez-lui dans le dos, tirez-lui dans les jambes. Là, il n'y a plus rien. Et de l'autre côté, au fond, apparemment, il y a encore un camion. Et moi, je sais pas où est repassé mon chat dans le jeu. Je crois qu'en fait, lui, il continue à charger des boulets de canon, mais au niveau du barrage, tu vois. Mmh. Il y en a un tout au fond du barrage aussi, c'est la coéquipière. Ah la femme là, l'assistante. Ouais, je crois. Non, pas, c'est elle ou c'est pas elle? Ah non, peut-être pas, non, c'est pas elle. Feu. Continue à lui tirer dedans. Il est toujours pas assez affaibli, ben écoutez, hein. C'est pas qu'on fait ce qu'on peut, mais plus ou moins quoi. Tirez déjà. Il y a des canons qui sont chargés à tel endroit, c'est ça? C'est quoi ça? C'est quoi cette espèce de d'humain qu'on peut aller voir, non? Ça n'a rien à voir? Ok, bah sur ce... Est-ce que je peux genre remonter avec un Drake et pour aller en haut, il y a moyen? Ouais, ok, donc tu peux remonter sur le barrage après, et j'imagine qu'au barrage, bah, des canons sont chargés, et tu peux faire des allers-retours comme ça, pour dire aux gens d'utiliser tel canon, mais c'est juste à toi de les orienter, quoi. Bah je sais pas, moi je dois descendre, je sais pas trop comment descendre. Hein. Comment on descend là, putain? Ah, ça va si. Ça va si, ça va si, ça va si, ça va si. Ah merde, y'a 2-3 canons qui sont complètement pétés sur le barrage. Aïe 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 aïe. Mes aïeux, mes aïeux, mes aïeux, ça part complètement cool. Feu. Commandant, nous l'avons assez affaibli et le barrage n'a perdu qu'un dixième de ses points de vie. Cette opération me semble être une réussite dans un premier temps, commandant. Commandant, vous avez ramassé une claque de Zora Magdaros. Si vous continuez à rester sur le pont. Il faut donner le coup de grâce. Le coup de grâce. Ouais, ah, c'est Mike. On attend plus que ton ordre. Bien. Votre ordre, déjà, c'est un supérieur, on y vous. Ah,
trouve belle quand même. Si grande, si majestueuse. Il mérite pas une chose pareille. Dragonator. Hein? Sur la proue du bateau. Ah, c'est bon. En fait... Yeah! Nous sommes responsables de l'extinction d'un dragon ancien. Génial. C'était sûrement le dernier de sa race, mais bon, que voulez-vous, hein? Mais tu l'as eu, toi? Tout le monde. Ouais, ouais, enfin, je sais pas, mais en tout cas, il est dans l'eau en mode bloup bloup, quoi. Mmh. Et là, t'as l'assistante qui a dit on a réussi. Et t'as le mec qui n'a aucune émotion derrière, qui fait genre ouais! Tout le monde qui se serre la main, je crois. Ah, il y a un mec qui câline un palico. C'est bien. C'est fini. It's over. Un espèce d'orque là qui passe son temps à glander. Ça n'aura pris que 40 ans. Oui. Ouais. 40 ans. Ça va, tant que c'est pas une vie. C'est ça, c'est que la moitié de la vie de quelqu'un. Quoi. L'autre connasse qui prend sa fleur et qui la balance dans la mer, là, tu vois. Oui, mais nécro, l'histoire, la poésie, ouais, ça va. Grand-père. Grand-père. Je t'aime. Bon. On rentre à la maison. Putain, mais moi, pourquoi il s'est pas... Tu l'as fait bien vite, comparé à moi. Ah bah écoute, j'ai utilisé le Dragonator, j'ai laissé d'autres personnes remplir les canons à la place. Moi, j'ai juste décidé de tirer, en fait. D'accord. C'est tout. Ça veut dire que les canons étaient chargés, moi, je les positionnais juste et je disais tirer. Et c'est visiblement bien fonctionné. Ah, j'ai reçu une gemme. Zoramark d'Aros, une vertèbre de Zoramark d'Aros, deux autres vertèbres de Zoramark d'Aros, trois autres. Ah bah, on se met bien. On se met bien, on se met bien. Ça veut que la gemme de Zoramark d'Aros, rareté 7. Ça sent bon tout ça. Le palico qui a rien pris comme niveau. Nouvelle destination de safari. Ok, calmez-vous, j'ai trop de nouvelles destinations de safari sont disponibles, vous pouvez changer la couleur de vos armures en coffre, une nouvelle cinématique a été ajoutée à la galerie, oui on voit grand-père faire câlin à des petits-fils, ok ça va. Et un nouveau niveau d'amélioration est disponible pour les armures. Yeah! Les missions ont été very difficult. Ouais, il meurt pas en fait, il va juste... il part quoi. Non, je pense qu'il meurt dans la mer. Mmh, d'accord. Je pense. Enfin bon, en soi, de toute façon, hein, c'était franchement moins compliqué que prévu. J'aurais pu... Si maintenant, il y aurait vraiment tout un truc avec le nerf giganté, oui, mais faut juste frapper 3 cœurs de magma et tirer avec des canons, c'est un peu dommage. C'est un peu con. Mais non. Ah, t'as l'assistante qui veut causer, etc. Mais bon, sur ce, rendez-vous à la prochaine vidéo, mes poulets, sur le game Monster Hunter World. Salut.